cancer qui sévit, et c'est la peur. L'homme construit sa vie sur la peur. Et il passe toute une vie à s'accrocher à ses peurs. Mais il est très difficile de lâcher prise à ces peurs qui nous tenaillent. Et nous passons toute une vie à côtoyer ces peurs, à les assaisonner, à les mettre bien en évidence pour qu'on les voit, on les cultive. Et ça fait que nos vies en sont impactées. Nous voulons des choses, nous ne faisons pas à cause de ces peurs. Nous voulons être libres, mais la peur nous en empêche. Nous voulons aimer, la peur nous en empêche. Nous voulons vivre, la peur nous en empêche. Alors tu vois, derrière toutes ces peurs, il y a une liberté. Il y a cette grande joie de ne plus être soumis à les règles que tu t'es imposées. Parce que les règles que nous impose soi-même, à soi-même, on s'impose à soi-même, et aussi toute l'histoire de la race humaine nous l'a inculqué. Et nous avons ces peurs. Ces peurs sont ancestrales. Et nous avons appris à ne pas s'écarter de la sécurité qu'il y a. Et donc tout ça crée nos peurs. Nos peurs de ne plus être en sécurité. C'est pour ça que l'activité de notre société, elle est basée sur la sécurité. Et jamais tu lâches le morceau. Jamais tu vas au-delà de tes peurs. Jamais tu lâches prise et tu dis c'est bon, j'ai assez souffert. Jamais tu fais ça. Tes peurs t'en empêchent. Mais tu vois, toutes ces peurs que l'on se raconte, les a priori qu'on a des uns et des autres, quand on se méfie les uns les autres, quand on se regarde à travers le prisme de ce que la pensée allait, alors, ce que tu vois, ce ne sont que tes propres peurs, tes désirs. T'as peur de ne plus avoir la vie que tu aimerais. Donc tu t'accroches. Et c'est ça qui fait que la souffrance, elle persiste. Parce que quand on s'accroche à ce qu'on aime, eh ben, il y a un phénomène qui se passe. C'est que nous sommes tellement dépendant de ce qu'on aime, dépendant des idées qu'on a, que pour la plupart, il est impossible de lâcher ça pour trouver quelque chose dont on n'a pas besoin d'être dépendant. Parce qu'en fait, ce que tu es est libre de toute dépendance. Et quand tu crées la dépendance, eh bien, tu n'es plus libre. Tu es dépendant de la chose que tu as pour te donner la vie que tu veux, la vie que tu aimerais. Et comme toutes ces dépendances, elles sont muables, elles ne sont pas pérennes en fait. Tu peux les avoir un jour, peut-être que demain tu ne les auras pas. Et quand tu ne les auras pas, ben, tu seras en manque de ça. Et donc tu vas tout faire pour jamais ne pas en avoir. Tu vas tout faire dans ta vie. Et c'est pour ça que la vie que tu mènes sera une vie d'habitude, de train-train, où s'installera la monotonie. Et toute la tracasserie qu'il faut pour maintenir tout ça, pour maintenir ton illusion,
Mais là, il s'agit d'être libre, il s'agit de lâcher prise à tes peurs. Parce que au-delà de tes peurs, il y a quelque chose d'extraordinaire, que tu aimerais d'ailleurs, mais tu en as peur. Tu veux sauter, mais il y a ce rempart qui te fait croire que tu vas tomber et que tu seras détruit. Donc tu sautes pas. Et tu vois, cette vie, en fait, elle n'est pas faite pour que tu restes statique. Il faut que tu sautes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu sautes, tout est possible. Tu sais, quand tu sautes d'un immeuble, il y a un fond. Et si tu sautes, tu vas te faire mal. Très mal même. Mais quand tu sautes, au-delà de tes peurs, il y a un vide. Et quand tu tombes là-dedans, il n'y a pas de fond. Donc tu risques pas de te faire mal. C'est que la peur qui nous en empêche. La peur de l'inconnu, la peur de ne plus avoir nos petits privilèges, nos petites vies bien rangées, nos habitudes, nos train-train. Pourtant, il y en a beaucoup qui ont pu avoir ce moment de détente où ils ont lâché et ils ont trouvé une grande joie à leur nouvelle vie. Et beaucoup le font, mais beaucoup plus nombreux sont ceux qui ne le font pas. Parce que cette peur, elle est tenace, elle est ancrée dans toi. On te l'a martelé avec de la propagande. On t'a dit, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Fais ça, mais pas ça. Donc tu as des règles à suivre, et toutes ces règles enfreignent justement ta liberté. Et il faudrait que tu les voies, ces règles, qu'elles sont justement des règles basées sur un conditionnement. Et ce conditionnement te dit que ces règles, elles vont te donner du bonheur, elles vont t'apporter quelque chose. Mais si tu les regardes bien, si tu es attentif, si tu ne te fais pas prendre par l'illusion des promesses qu'elles te donnent, eh bien peut-être que tu vas voir qu'elles sont vanité et qu'elles ne te donneront rien. Elles te donneront que de la déception. Donc à ce moment-là, quand tu n'as plus rien à te retenir, ben tu sauteras. Et il faut que tu trouves ce moyen pour voir l'illusion de ce à quoi tu t'accroches. Parce que c'est là où tu vas te faire mal. Ce n'est pas en sautant dans le vide que tu te fais mal. C'est en t'accrochant aux choses. Parce que, en fait, ça te déchire. Ça te fait souffrir. Ça te rend malheureux. Ça te rend hargneux. Ça te donne de la violence. Tout ça parce qu'on s'accroche à ce qu'on aime. Parce qu'on ne veut pas que personne ne touche. Mais quand tu sautes, quand tu vas vers la liberté, il n'y a rien qui te fait mal. Parce que tu n'es pas en contact avec l'illusion. Tu es en contact avec la réalité. La réalité se trouve là où l'inconnu se trouve. Mais le connu que tu connais, tout ce que tu connais, ben tu vas t'accrocher. Mais ce que tu connais, ce n'est que du passé, de l'illusion, un temps passé que tu t'accroches. Tu t'accroches à tes joies d'hier, à tout ce qui te donne un peu de réconfort. Et tout ça, c'est de l'illusion. Alors qu'au-delà de tes peurs, il y a vraiment le vivant. Là où tu es,
présent. La présence de soi est là, dans cet endroit où tu ne côtoies plus le hier ni le lendemain, où tout est là, maintenant, dans le présent. Et c'est dans ce présent que tu veux être. Au fond de toi, c'est là que tu veux être. Mais pour être là, il faut que tu abandonnes toutes les choses que tu t'es accroché, que tu aimes, tous les privilèges que tu as et qui te donnent un peu d'excuses pour ne pas y être. Parce qu'on est rempli d'excuses. On ne veut pas faire le pas maintenant, on dit demain, quand je serai prêt, je le ferai. Mais en fait, tu n'es jamais prêt. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer ses cigarettes. Ah, il dit oui, mais encore une dernière pour la route. Et après, j'arrêterai. Mais tu t'aperçois qu'il ne s'est jamais arrêté. Parce qu'il a trouvé encore l'autre, après, toujours mieux. Toujours quelque chose à en retirer. Mais en fait, il n'en retire rien. Tout ce qu'il fait, c'est se détruire, on se détruit. Donc l'illusion fait la même chose, elle te détruit. Elle détruit ta joie. Elle ne te donne pas la paix. Elle te donne de la souffrance parce que tu t'accroches, parce que tu ne veux pas le lâcher. Mais quand tu as lâché, quand tu as laissé tes dépendances, ta vie n'a plus la même résonance. Tu es libre de vivre des choses nouvelles. Et c'est la nouveauté qui est beau. C'est la nouveauté qui nous donne l'émerveillement, qui nous donne la joie. Mais tu vois, les habitudes que tu t'es instaurées dans la dépendance, elles ne vont pas te donner de la joie. Elles vont te permettre de te sentir en sécurité, mais cette sécurité-là te supprime ta liberté et tu n'es plus dans la liberté, tu es dans l'attachement. Et pour être en dehors de l'attachement, mais tu dois accepter que tout ça, c'est de l'illusion et que cela ne t'apportera que de l'éphémère. Et quand tu auras l'éphémère en main, ben, tu vas le regarder et tu seras déçu parce que ce n'est pas ce que ton rêve prévoit. Le rêve prévoit quelque chose d'extraordinairement beau. Et alors, ce rêve, c'est la déception. Et c'est ce que tu trouves. Quand tu es dépendant de quelque chose, tu trouves que là, tu penses, j'aurai quelque chose, je me sentirai mieux, j'aurai quelque chose pour, sur quoi me tenir. Mais en fait, quand tu as la chose, tu es dégoûté. Je reprends l'exemple de la cigarette. Celui qui fume, il veut encore une autre, et puis il en fume une autre. Il pense qu'avec celle-là, ben, ce sera bien, ça ira mieux. Mais en fait, il se sent de plus en plus mal. Parce que tu es bercé par l'illusion de ce que tu penses. Et la vie, elle est pareille. Tout ce qui t'attire, c'est une illusion qui te fait bercer. Tu berces dans l'illusion. Mais tu n'as pas la réalité des choses en face de toi. Tu n'as que ton désir d'être bien. Et c'est ça qui n'existe pas. Alors, quand tu auras appris à regarder les choses terriblement, avec une grande sincérité, sans te laisser avoir, avec une terrible sincérité, mais tu vas voir que tout ce que tu veux, en fait, c'est tes propres désirs, ton illusion, qui te demande encore et encore, plus et plus et plus. Et jamais tu es satisfait. Et si tu le vois,
eh bien tu pourras l'abandonner.